ton patron. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Auriez-vous l'amabilité, s'il vous plaît, de m'indiquer le bureau de votre patron le plus proche, sans vouloir vous commander. Hein? Vous avez appris la politesse, Véro? Hop, hop, hop. Hey, vous allez où? Oh, animal. Hey, restez là. Bon, pas ou quoi, là? Vous vous croyez où, comme ça, là? Hein? Vous entrez, vous croyez dans une souricière? Vous entrez, vous sortez comme bon vous semble? Comme dans une souricière? C'est ça? Vous êtes qui, vous, d'abord? On va dire une sorte de nettoyeur. Je viens en rapport à l'annonce télé. Ouais, et ben on n'a pas besoin d'homme de ménage. Merci beaucoup. Allez. Vous pouvez partir, s'il vous plaît. Allez, allez, pas la peine de me regarder comme ça, je n'ai rien à foutre, vous rentrez. C'est parce que vous êtes fort, c'est tout, hein, c'est pas ça. Allez. C'est pas grave, vous pouvez rester. Vous voulez que je vous aide à porter votre valise? Allez. Tu touches pas à ça. Mais c'est pas la peine de vous énerver, hein. De toute façon, le patron n'est pas visible. Revenez plus tard, à moins que je peux vous être d'une quelconque utilité. C'est pour une donation. Hey, mais il doit plus vous rester une seule goutte. Hey, vous voulez pas une madeleine pour récupérer? Bon, alors, on y va, ce déjeuner? Bah attends, on a 5 minutes, non? Oui. Mets-toi à l'aise. Relève ta blouse, tiens. Relève tes manches, tranquille. Ouais. T'en as mis du temps avant de me rappeler. J'attendais juste que tu te replantes en bagnole, hein. Si c'est pour que tu me soignes comme la dernière fois, je suis toute prête à me reprendre un platane. Alors, quoi de neuf dans ta vie? Tu sais, rien de nouveau, hein. Toujours accro au cinéma, ma passion. Ouais. Je savais pas que t'aimais autant le cinéma. Oh. T'étais plutôt passionné de kung-fu, non? Quoi? Kung-fu? Ouais, toujours, ouais. Mais tu sais, bon, la journée j'étais en blouse, le soir en kimono, au bout d'un moment j'en ai eu marre d'être en blanc tout le temps, tu vois. Puis l'avantage d'un film, c'est qu'on peut le regarder dans la tenue qu'on veut, tu vois. Ah, waouh! Et qu'est-ce que t'as vu récemment de... Dracula, j'ai vu. J'aime pas du tout ce film. Ah non, c'est horrible. Pendant une heure et demie, t'as un vampire qui court après une bonne femme juste pour son sang. Mais tu sais, parfois, un homme a besoin du sang d'une femme. Tu sais que t'as de belles veines, toi, hein? Oh, t'es gentil. Waouh, toute cette effervescence à l'hôpital, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est CNN. Ils font un portrait sur moi en ce moment. The MA Portrait of the States. Non, je déconne. Non, c'est parce qu'on fait une collecte de sang dans l'hôpital. Et c'est... Mais attends. Oui. Je me dis un truc, là. Tant que t'es là, tu voudrais pas nous faire un petit don? Juste pour dépanner? Non, attends, c'est quand même pas pour ça que tu m'as fait venir de Niort. Attends, tu m'as pris pour qui, là? Allez, tiens, allonge-toi. Oui. Et en plus, tu sais, toi et moi, oui, on a un groupe sanguin très très rare. Alors si ça peut aider à sauver des vies... Laissez-moi deviner, vous êtes une ex, vous venez de loin, vous êtes AB négatif. Ah bon? Comme par hasard. Pas mal, écoute, regarde, on peut aussi aller dîner si tu veux. Pauvre type. Non, Cécile, s'il te plaît. Aimé, ah, faut que je te parle. Tout de suite, maintenant, parce que j'ai un petit problème à régler. Aimé, oui, je suis foutu. Mais non, mais non. Je suis foutu, je te dis. Ouais. J'ai vu mon dernier interview, ouais, j'ai été minable. Aimé, j'ai été minable. Oui, le public est tellement habitué à voir n'importe quoi, ça passe, il n'y a pas de problème. Merci, Aimé. Ah, professeur, il y a quelque chose qui ne va pas, enfin, voyez-vous-même, c'est très inconfortable. Ah, vous aussi, vous voulez m'apprendre mon métier, qu'est-ce que vous croyez? Vous avez déjà vu les fractures? Je sais, professeur, mais moi, je souffre. Prenez sur vous, faites comme moi un peu de pudeur, monsieur. Allez, retournez à votre chambre et au plus vite. Aimé. Quoi? Je ne suis plus bon à rien. Même mon sang, ils n'en ont pas voulu. Ils ont dit qu'il avait dépassé la date limite. Mais non, dites pas ça. On va fermer, mais... Non.
Professeur, pensez aux petits polytraumatisés qui comptent sur vous pour plus jamais pouvoir remarcher. Vous êtes un dieu pour eux. Aimé, tu es un saint. L'infirmier est nécessaire et prié de se rendre en salle de transfusion. S'il vous plaît. Alors si je comprends bien, vous êtes représentant en organes vitaux. On peut dire ça. Mais je sais pas où je vous ai déjà vu, vous. J'ai déjà vu votre gueule quelque part. Pas bon, la gabardine, le Bob Lacoste, le regard à Carigat, tout ça. Vous n'êtes pas de la famille de Jeanne Moreau? Et sinon, vous avez toutes les sortes d'organes vitaux? Pratiquement toutes. Et vous avez des foies de volaille? Je ne traite que l'homme. Jamel, ça y est, j'ai retrouvé d'où je la connaissais. Ah, je vous présente Rémi. Je vous présente monsieur, qui a son entreprise de nettoyage. Et Rémi, qui a son entreprise de rien. En sortez. Tiens, regarde. Des réfugiés du Cambodge. Ah, les pauvres, ils ont pas de chaussures. Mais non. Mais c'est moi, il y a 10 ans, devant le restaurant vietnamien de papa. Et à côté, là, c'est la journaliste Catherine Levert. Et on était ensemble tous les deux au collège. Ouais, et depuis, elle a perdu quelques centimètres. Parce que là, sur la photo, elle fait pas moins d'un mètre 80. Non, mais ça n'a rien à voir. C'est une histoire d'image. Tu sais bien, aujourd'hui, ça veut rien dire, les images. Regarde, je sais pas, moi, PPDA et Castro, Sandrine Ferrer et Laurent Boyer. Pourquoi personne ne me croit jamais? Mais comment on peut perdre 20 cm en l'espace de 10 ans? 10 ans, moi je fais ça en 10 minutes. Et vous pouvez faire grandir. Eh mais je dis pas ça pour moi. Hein. J'en ai rien à foutre, moi ça va, moi je suis dans les 1m80. 54. Je mesure 65 kilos. Je suis très bien dans... C'est pas pour moi, c'est pour mon ami Kader. Kader Ben Sultan, il habite dans le Val d'Oise. Comme c'est un petit, on l'appelle toujours Kader le petit, il a les boules. Vous pouvez nous la garder? Oh là là! Elle est toute froissée du visage! Encore une qui s'est fait faucher sur la route de Niort. On attend Diabé négatif pour l'opérer. Comment on va trouver Diabé négatif? T'es marrant, toi, c'est pas. Diabé négatif, ça se trouve. Je suis immédiatement. Quoi? On a une fille qui s'est plantée sur la route et lui, il faut un donneur du même groupe que toi. Allez, elle est AB négatif. Il n'y a que toi qui puisse faire quelque chose. Non, arrête, c'est du chichi. Regarde, je suis sûr, avec du O+, en touillant un peu, t'obtiens du AB négatif. C'est classique, c'est le principe de flag and run. Mais t'es malade ou quoi? C'est marrant, mais j'ai comme l'impression que cette jeune femme, tu la connais déjà. Il paraît même que t'as essayé de la saigner à blanc ce matin. N'importe quoi. Cécile! Putain, elle va me faire chier jusqu'au bout, c'est la merde. Attends. J'avais complètement oublié de te dire, je crois que c'est incompatible avec ma religion. Ah ouais, je suis témoin de Jéhovah, tu savais pas? Je croyais que t'étais catholique. Catholique, oui, oui. Mais de Jéhovah quand même. C'est près de Lourdes, Jéhovah en Artois. Attends. Donne ton bras, oh. Je peux donner un vélo à la place? Bon bah, quand faut y aller, hein. Quoique, une fois dans un film, j'ai vu un mec, au dernier moment, grâce à un système de poulies, il avait réussi à éviter le truc, parce que, au dernier moment, vraiment... Bon, donne ton bras, pas de chichi. Attends, tu sais ce que j'ai vu? Dans le Guinness Book des records, une femme, elle avait réussi à vivre toute sa vie avec un seul litre de sang. Un seul litre.